Bonjour à tous, mes chers amis. Voilà, nous nous rencontrons pour une nouvelle méditation sur Saint Joseph, dans ce carême avec Saint Joseph. Marie, nous lisons dans l'Évangile selon Saint Luc, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Marie ne gardait pas ces événements comme les écoliers retiennent leur poésie. Elle monte, la garde, elle protège un trésor. Enfoui dans les silences de la mer, l'Évangile intègre et vivant, vivre de ses mystères. Le cœur de la Vierge est l'essence de la vie spirituelle. Il est le jardin secret de l'Église où se recueille toute rencontre avec le ressuscité. Joseph, Saint Joseph, quant à lui, garde Marie et son cœur, les silences et les secrets. Dès lors, toute vie spirituelle s'épanouit à l'ombre de Saint Joseph, clôture du jardin et du monastère. Prière. Ô très bon patriarche Saint Joseph, inspiré par les enseignements de la Sainte Église, de ses docteurs et théologiens, et par les sentiments universels du peuple chrétien, nous sentons en nous une force mystérieuse qui nous pousse à vous demander, supplier, attendre que vous obteniez de Dieu la grâce immense et extraordinaire que nous allons déposer devant votre image et votre trône de bonté et votre pouvoir dans les ciels. Ici, on présente à Saint Joseph l'intention, la grâce qu'on souhaite obtenir dans ce temps de carême. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sur vos cieux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et du travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.